Savez-vous pourquoi il est nécessaire de limiter le nombre des grands mammifères en forêt? Commençons par comprendre leur impact sur l'environnement. Depuis les années 70, les populations de cerfs, chevreuils et sangliers ont explosé. Ces animaux font partie du milieu forestier, mais présents en trop grand nombre, leurs comportements naturels compromettent la croissance des arbres déjà fragilisés par le réchauffement climatique. En consommant les graines et les plants, les grands mammifères ne permettent pas aux jeunes arbres de grandir, et certaines forêts n'arrivent plus à se renouveler naturellement. Aujourd'hui, près de 40% des forêts domaniales souffrent de cette situation. Les forestiers de l'ONF installent des protections, mais il n'est pas possible de le faire partout, et la présence de prédateurs est insuffisante pour réguler les populations des grands animaux. Voilà pourquoi la chasse, strictement réglementée et sécurisée, s'avère le seul moyen pour établir l'équilibre entre la grande faune et son habitat. C'est une question de survie pour les forêts. Préserver l'avenir des forêts publiques, c'est leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Et c'est la mission des forestiers de l'ONF.